Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Donc aujourd'hui, on va fabriquer de la pâte à modeler, donc assez particulière. Donc ce sont des pâtes à modeler comestibles au chamallow, donc super cool, assez facile à travailler, très cool pour jouer. Donc je vais vous montrer comment réaliser ça. Alors pour ça, on a besoin de marshmallow bien sûr, de l'huile de coco, colorant alimentaire, j'ai différentes couleurs là, voilà, des cuillères, un petit bol saladier, et du fécule de maïs, et puis bon bah on peut toujours aussi avoir un gant aussi pour travailler la pâte à modeler. Donc déjà on a besoin de 6 marshmallows. Donc 4 cuillères à café de fécule de maïs. Hop, la quatrième. Et donc 2 cuillères à café d'huile de coco, comme ceci. Donc bon, pour l'instant elle est un petit peu solide, mais ça fond très rapidement. Et donc après on met un petit peu de colorant alimentaire. Donc on a plus qu'à choisir donc la couleur bien sûr. Et puis après donc on met ça quelques secondes au micro-ondes. Et c'est parti. Donc on a mis 30 secondes au micro-ondes, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, ils sont assez gluants et visqueux maintenant, donc on va essayer de bien tout mélanger donc avec voilà, la cuillère. Et voilà, maintenant on peut commencer donc à travailler la pâte avec le gant. Oui, donc c'est vraiment super cool ce que ça donne. Donc voilà notre pâte à modeler. Donc elle est encore un petit peu chaude, mais ça donne vraiment un résultat très intéressant. Voilà, après vous pouvez toujours, si ça n'a pas la consistance que vous voulez, vous pouvez toujours rajouter donc un petit peu, pourquoi pas un petit peu de fécule de maïs. Voilà. Ok, donc là on a nos pâtes à modeler, donc en marshmallow. Donc super, un bleu, on en a une bleue, une rose rouge. Voilà, donc elles sont bien élastiques en plus, hein, ça fait un petit peu effet chewing-gum. Donc je trouve ça super cool. Voilà, un peu la même texture que de la pâte ciclée, pourquoi pas, oui. Donc on peut essayer en plus, hein. Parce que j'ai dit que c'était comestible. Oh, c'est collé. Oui, au bon niveau du goût, c'est très très sucré. Voilà, on sent bien le marshmallow. Voilà, ça sent bon, la noix de coco également. Donc j'essaie les deux. Hein. Voilà. Oui, donc voilà, c'est vraiment comestible. Hein. Donc voilà, donc maintenant on peut jouer donc avec tout ça, donc un peu comme de la pâte à modeler plutôt. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à l'aimer, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez surtout pas et on se dit à une prochaine. Salut !